Petit rappel, cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédié aux professionnels. Le non-respect des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel d'installation sur Paquero Therma-V Duo ECS de marque LG. Dans cette vidéo, nous allons voir le raccordement et le paramétrage d'un thermostat d'ambiance à contact sec pour une HNSST NB0. Vous retrouverez dans la description le lien pour télécharger le document d'installation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Pour connaître la sortie des prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche et un petit coup de pouce pour nous aider à créer d'autres vidéos de ce type. Sans plus attendre, nous allons passer au sommaire. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir le raccordement du thermostat d'ambiance et le paramétrage qui permet d'activer le thermostat d'ambiance. Nous allons dans un premier temps accéder à la bande de raccordement électrique. Le bornier de raccordement pour le thermostat d'ambiance se trouve sur le bornier X4. Une fois le bornier trouvé, raccordez le thermostat d'ambiance sur la borne A6 et GND. Une fois le thermostat d'ambiance raccordé, nous allons pouvoir la paramétrer. Sur cette étape, nous allons d'abord aller sur le menu principal et aller sur la fonction mode opération. On valide. À l'aide de la flèche du bas, nous allons descendre et aller chercher la fonction 1.cirque. Une fois sur la fonction 1.cirque, vérifiez que vous êtes bien sur le mode thermostat. Une fois le mode vérifié, pour sortir de la fonction et revenir au menu principal, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton menu. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour savoir la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, ça fait plaisir et cela nous aide énormément. Sur le prochain tutoriel, je vous montrerai comment enclencher les appoints électriques lorsque le groupe extérieur est en défaut sur une Therma-V Duo ECS HN-16ST NB0. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.